Ça a déjà démarré. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un message de Thérèse. Or, Thérèse de Lisieux, vous avez entendu parler. Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez qu'elle a des basiliques sur le monde entier et qu'elle fait des miracles quand les gens lui demandent une grâce. Moi, je l'accueille, c'est ma sœur. Et donc, elle va vous parler. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Amour, mes chéris, combien il est doux de vous parler d'amour. Le pourquoi est simple. C'est la quête, c'est ta quête primordiale. Même si tu ne veux pas te l'avouer. C'est presque le début de l'année, alors là on était un peu avant le début de l'année 2015. C'est presque le début de l'année. Si nous revenions au fondamental, es-tu sûr d'être aimé? Comme tu le voudrais, sûrement pas. Vos enfants ont leurs petits problèmes, vos parents aussi, en plus important. Femme, mari, ami, tous ces amours sont entachés d'humeur, de jalousie, de frustration. Te dire que je suis parfaite dans mon genre peut te sembler prétentieux. Depuis l'évasion de mon couvent par la voie des airs, je n'ai jamais été rattrapée par les défaillances du poids de mes hérédités. Et quand Dieu crée, il le fait bien. Surtout quand la liberté n'est plus primordiale. Ceci pour te révéler que si Dieu, Marie, Willy et moi, nous sommes des présences, tu ne peux nous entendre qu'en te parlant d'amour. La connaissance est agréable, les révélations transcendent, mais c'est prouvé, chérie, combien-en. Te fait oublier jusqu'à la carapace que tu entretenais. Je parle vraiment de renforcement de cette carapace, de polissage. Vu d'en haut, chacun sans vous en rendre compte individuellement, vous vous êtes enfermé dans le château fort que vous avez construit. Que diable, fondé, pour ne plus croire aux remparts de la pierre. Imaginez si nous investissions la planète. Entre notre rayonnement personnel et vos médias catapulteurs, d'informations et destructeurs d'horizons, nous aurions tôt fait de prouver la réalité. Toute personne ou personnalité s'éprouvant aimée, comme jamais, se remettrait en question avant de s'embraser pour ne plus perdre un atome d'un ressenti tellement inconnu. Tu es au but car Dieu est au sien. Tu ne l'as compris en tant que créateur que par sa création. Tu ne l'as jamais trouvé en tant qu'être, il te reste l'amour. Tu sais maintenant que tu n'as un présent que si tu as une présence. Celle de Dieu ou la nôtre te tend les bras. Au-delà du fait que tu sais que c'est primordial pour toi, tu te trouves pour la première fois dans les conditions de l'exceptionnelle facilité d'avoir un présent. Car Dieu t'exprimant l'amour qu'il porte à ton individu, suscite la réponse obligatoirement personnelle, achevant des siècles de manque de correspondance et les créations qui les obligeaient. En t'entendant Dieu t'aimer et toi émettant dans la nature de ton amour, tu dépasses toutes les règles et lois des apparences de la matrice de la terre. Je suis né à l'existence avant toi. J'ai compris ma mission à la naissance de l'ultime manifestation divine, puisque j'en étais le moyen. Mais c'est autant de la parole ouverte et de l'aurore de la concrétisation des sentiments que l'importance de l'homme m'a sauté aux yeux. Et qu'en deuxième lieu, j'allais servir l'œuvre en palliant aux carences de celui-ci, chaque fois qu'il ne serait pas au rendez-vous d'une étape capitale. Si dans les évangiles beaucoup de transmissions furent édulcorées, les écrits et les paroles de l'ultime manifestation vous ont paru forts, mais sans épanouissement. Dis-moi par exemple ce que tu sais du fait que ton corps est la matrice de ton âme. Où est-il ce germe? Ou mieux, son état? Si tes yeux en sont le reflet, c'est déjà une indication.
Peut-être que cet espace ensoleillé est derrière ton regard. Mais il a dit ton corps. Sans faire de science ardue, ce corps est constitué de matière que dans l'infiniment petit, qui dans l'infiniment petit se résout à l'antimatière. Voilà un mot qui n'explique rien, mais qui est capable d'action, de mémorisation, de réflexion, d'amorisation. Bien sûr que ce sont les attributs de l'esprit. Cette somme de valeurs est nichée en toi, une parcelle qui est dans le tout. Cela te gêne de nommer Dieu ce tout? Je fais mon intelligente, mais à votre contact, je sais vos recherches et vos pérégrinations. Et je vais simplifier. Ton corps est ton âme. Regarde-le avec d'autres yeux et cherche en sujet de dialogue toutes les phrases de Dieu qui t'ont débordé. Vous voulez être amour seulement, la chair et le sang aliment de votre être, faisant un pur foyer de toute votre terre. Ces expressions sont belles, mais longtemps hors de notre portée et de notre compréhension. Elles planaient dans un futur obligatoirement impalpable. Tu veux aider l'humanité? Après avoir écouté nos accents d'amour divers, mais pour toi, aime le dialogue sur tout ce qui t'a dépassé jusqu'à la lumière. Ayant monté quelques marches en une fois, la dépression causée en dessous de toi élèvera au moins à ton niveau de curiosité ultérieure tous ceux qui recherchent un minimum d'élévation. Il n'est pas certain dans ce cas qu'un départ sur les chapeaux de roue soit obtenu. Mais supprimer l'inertie est déjà une victoire, compte tenu que c'est le monde qui se coiffe des lauriers. Même si nous agissons sur la Terre, beaucoup pensent que nous demeurons à quelques millions d'années-lumière, parce que seul ce qui émane de vous après une compréhension ou une émotion vous construit, puisque vous êtes devenu pendant un laps de temps le fruit du nouvel état. Le plus sûr, c'est quand le ressenti est fort et qu'il est resté un certain temps. Je ne parle que de positif et de révélation des hauteurs des sentiments. Ton âme vibre car ton corps sait. Un de mes attributs est la liberté. J'en ai été pétri pour mon essor. Mais mes actes, par cette valeur, deviennent le tout qui n'accepte plus l'intermittence et déborde logiquement, enfin, vers votre terre asservie. Sachant que la vie ne connaît pas de recul, même si le bien dépasse les cimes puis flirte avec les abîmes, il dessinera de toute façon une courbe ascendante. À l'horizon se dessine la fête de Pâques, et plus près le mois ouïlien. J'aime comme vous, je pense, cette présence d'amour fut la mémoire vive des étapes de l'aboutissement de la création des sentiments humains au point d'en devenir la substance. Un « je t'aime pour toi » de sa part est chargé des valeurs primordiales acquises par goût et surtout de sa personnalité révélée au feu de son amour pour son Dieu. Enfin, il est évident que l'être suprême avait besoin de son trio, pensé pour les bases de la cité. 2 millions d'années environ, sans nous, sans toi. Lui, l'amour seul avec son rêve. Heureusement que le Créateur prenait pas sur le manque de correspondance, n'étant pas être à faire des réussites ou des projets sur les comètes, étant dans l'obligation de te laisser libre, l'œuvre subtile et puissante commença à rouler, écrasant l'inutile, mais collant les éléments capitaux pour qu'ils servent amplifiés au prochain tour. Ce qui est le plus important pour nous, ce sont les derniers siècles, ceux ultérieurs ayant permis leur naissance et leur remplissage. Dieu est prodigue. Il a par nature désiré la diversité.
Les croyances prouvent ce fait et doivent vous permettre d'être complémentaires et surtout pas rester sur l'incompréhension du beau voyage qu'a fait ton frère. Nous sommes bien d'accord, nous aimons être aimés. Pour ma part, te chérir, c'est aussi t'aider. Comme je m'interdis tout jugement, sois certain qu'une alerte de ma part sur un comportement est mon moyen de grande sœur de te porter pour te hisser sur la marche supérieure. Je ne peux pas parler à la masse humaine, de cœur à cœur comme je le fais avec toi, qui me connais, mais rassure-toi, l'équilibre est gardé, car pour celui qui connaît plus ou qui a plus reçu, il est plus demandé. De toutes les manières, nous pouvons aimer, donc nous le devons. Cet art est tellement divers, immense et capital, que je vous dirais que ma promotion en esprit n'est qu'à son service. À quoi bon construire des mondes et inventer des ciels quand une race n'en a plus pour elle ou n'y croit point encore? Sur la terre, je me suis investi dans la compassion. J'ai fini mon temps et parti crucifié dans la douleur. J'ai bien sûr maintenant horreur de toute souffrance et horreur du mal général. Mais aimer sans limite est bien plus efficace. Et si j'osais, je te dirais, agis de même. Tu seras facilement à 10% de tes possibilités. Peut-être que tu vis une plénitude en utilisant ta liberté d'aimer selon ta volonté, mais jamais 24 heures sur 24. Je sais, je suis un peu direct, mais tu connais l'apologie du drapeau à ne jamais lâcher, tant que tu n'as pas investi le fort et que tu n'as pas planté ton étendard au sommet du donjon. Ton futur est dans cette philosophie, mais tu ne peux la construire qu'en épousant le vœu de Dieu. Si j'osais encore, je te dirais que ne pouvant refaire sa nature, en attendant ta soif du triomphe, il te dorlote autant que tu le laisses faire. C'est agréable, mais il ne te pousse qu'à son rythme, puisque l'un ne peut pas plus que ce que veut l'autre. Et il est facile de se contenter de cadeaux successifs qui assurent le confort. Mais l'époque n'est plus propice aux rêves et à l'endormissement. Et comme Dieu a éliminé tous vos rails, il est facile de mal négocier un virage. D'où mon obligation de la responsabilité de te chérir. Bien tendre d'ailleurs, cet état de grâce. T'obliger par le don de moi à te savoir libre, à aimer, à vivre. Inouï? Non. Juste emboîter les pas de Dieu qui m'a faite. Sans ma correspondance. Je prends pour moi cette évidence. Quand quelqu'un l'a fait, un autre peut le faire. Si de plus c'est Dieu le réalisateur, l'exigence de notre amour permet l'étude du projet accompli. Je vous aime. Amour, mes chéris. Thérèse. À bientôt. Ah, c'est vrai qu'on me demande chaque fois mon numéro de téléphone. Alors, le téléphone. 04 90 82 36 24, le portable 06 33 35 04 49. Vous voulez aussi mon mail? Roland Biotte 84. Donc Roland R-O-L-A-N-D Biotte B-I-2-L-O-T-E 84. Tout en petites lettres, tout accroché, sans point ni virgule, @gmail.com. À bientôt.